Amine Gouiri, polémique entre Djemel Belmadi et le Stade Rennais. La blessure de l'Algérien Amine Gouiri et son forfait de dernière minute pour la CAN 2024 ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et les médias. Il faut dire que le plus grand bruit n'était pas vraiment le fruit du forfait d'Amine Gouiri suite à une blessure au genou, mais celui produit par la déclaration de Djemel Belmadi. Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou et c'est suite à notre demande que son club nous a envoyé l'information. On l'ignorait, il n'y avait eu aucun signal, a affirmé Djemel Belmadi. Après l'annonce du forfait d'Amine Gouiri. Après cette déclaration qui a fait du bruit, le Stade Rennais a réagi dans un communiqué publié sur le site internet du club. Suite à la prise de parole du sélectionneur algérien, le Stade Rennais FC tient à préciser que toutes les informations relatives à la santé d'Amine Gouiri ont été transmises en temps et en heure à sa sélection pour que cette dernière puisse prendre une décision quant à sa participation à la CAN 2024, a fait savoir le club d'Amine Gouiri qui ne précise pas cependant si ces informations ont été transmises avant ou après la demande de la partie algérienne.